Comme certains d'entre vous le savent, je suis parti à la découverte de l'Amérique du Sud en moto. Je vais donc partager avec vous quelques vidéos de mon aventure. Voilà, premier jour en moto, j'ai fait plus ou moins, bon, j'en sais rien, à mon avis entre 130 et 150 km. Voilà pourquoi je voulais faire mon trip en moto. Beaucoup de liberté, une sensation de liberté énorme dans ce monde où il y a beaucoup de règles. Et la deuxième chose, c'est... Voilà, pour ça. Ce genre de vue. Buenos días, en direct de Jardín, petit pueblo à plus ou moins 150 km de Medellín en direction de l'Équateur du coup. Donc là, c'est la maison de Gladys. Elle m'a gentiment invité à dormir. Donc du coup, moi, je dors dans ce petit cabanon ici qui est énorme. Il n'y a pas d'électricité, il y a juste 2-3 bougies. Elle m'a dit qu'on pouvait échanger, qu'elle avait besoin d'un petit coup de main dans son jardin parce qu'elle fait de la permaculture. Et que voilà, en échange de quelques heures de travail, je pouvais dormir gratuit. Il y a des légumes bio, il y a tout, il y a des fruits, etc. Du coup, j'ai plus qu'à acheter que genre des aliments, genre du riz ou des frijoles ou des pâtes. Et le reste, c'est je peux me servir ici dans le jardin. Du coup, j'étais censé rester 2-3 jours ici. Je pense que je vais rester un petit peu plus longtemps. Parce qu'avec ce genre de vue... Profitons-en pour aller visiter un peu.
cours de mes 2 semaines en permaculture, j'ai eu l'honneur de travailler avec Alonso, qui aime beaucoup les mises en scène. Tu tienes que faire la séquence de story, en détail, c'est... 28. C'est le cumpleaños de mi padrastro hoy. Il y a 28. Tu tienes que faire la séquence, hoy con Alonso, traer unas guaguas. Exactamente. 60-70%. Ajá. 60 y 70, distancias 60 metros nada más, 70 metros. Fácil, pero más y menos. Vas a documentar mira, por ejemplo, esta mañana cuando bajé a cortar las guaguas muy temprano, sí. había un frenesí. Un frenesí. De la naturaleza ahí. ¿Ah, sí? Pajarito aquí, otro allá. Este canta mucho. Esto. ¿Y qué pasó? No, una alegría, locos, felices ahí. ¿Ah, sí? Sí. Y una imagen y dile, mamá, cultivo del lulo. El lulo. Si no, tal vez tienes que ir bien para enfocarlo, no sé. Sí, voy a. El lulo. Es frutas. ¿Qué hacemos aquí? El lulo. On fait des bons jus de fruits avec ça. Et il y en a partout. Todas las plantaciones de lulos. Tac, 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 tac. Las bananas. Sí. Ah. Esta es la nueva cabaña. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Oh, Alonso la hizo. Un buen trabajador. El bambú. Vamos, se va aquí. Oh, tranquilo. Más liviano. Vamos. Algo que no hay allá en los supermercados. Yo creo que esto no lo ve allá. No hay. ¿Cómo se llama tu mamá? Patricia. Doña Patricia, mira, Patricia. Esto se llama guayaba. Mira qué color. Mira la color. Ajá, así. Qué bueno, ¿eh? Se llama la guayaba. Dile que esa es la dedicación. Alonso te dedica este trago, este brinco. Es de Alonso. Estás protegido, estás querido acá. Estás bien cuidado. Après 2 semaines d'aventure chez Gladys, on quitte enfin sa maison. La route m'appelle un peu, mais c'était vraiment 2 semaines exceptionnelles. C'était vraiment super bien, il n'y a rien à dire. Voilà un peu ce que je quitte. Paul est prêt. Alonso, le mec avec qui j'ai travaillé, vient de m'offrir un de ses foulards. Bon, il l'a lavé quand même. Mais c'était énorme. Voilà, c'était 2 semaines très agréables dans la permaculture et c'est parti. Looking outside of me.
Now I see this world is unraveling. I wonder who could we be? Oh, I don't want to see us lose any more time. This moment is a mountain to move. J'ai carrément du sang qui met les vergetures qui pètent. C'est la troisième soupe que je prends. J'ose pas trop demander ce qu'il y a dedans. Mais je m'en fous, ça me réchauffe. Je suis juste congelé. Je viens de passer genre de... Je sais pas combien il faisait quoi, 25 degrés à Popayan. Ici, le ressenti, il est genre moins 10. Du coup, je vais vous montrer un peu, on se croirait au Pérou. Je vais vous montrer un petit peu, c'est incroyable, c'est tellement froid. Voilà où je suis, perdu. On est là, la petite plaque belge. Et il fait dégueulasse. Encore 50 km à faire dans cette montagne. Et il faut que j'y aille parce que là il est 4h30, dans 2 heures le soleil se couche, enfin même dans 1h30. Mais j'arrive pas à réchauffer ma main. Et sinon j'ai acheté des gants ici, mais il n'y a que des gants en coton. Du coup je vais prendre les gants en coton. Voilà, voilà. Voilà les beaux gants en coton. Tada. Et je vais mettre ça par au-dessus, ces gants-là. Ça du sport. Bon, c'est 2 heures que je suis dans ce genre de style de montagne. Perdu au milieu de nulle part, mais la vue est juste ouf. Mais je suis juste trempé. J'en peux plus, je crève de froid. Il doit être 6 heures, le soir arrive. Ouf, oh, c'est chaud. Voilà. Voilà ce qui se passe ici, perdu au milieu de nulle part. Mon moto que j'ai lavé est bien deg. Paul a perdu un phare ici. Mais bon, on kiffe. Quand on part à l'aventure, il y a toujours des bons et des mauvais moments. Mais ce n'est que par après qu'on se rend compte que les mauvais moments étaient finalement des bons moments. Regardez-moi ça, mes amis. Des montagnes et des montagnes et des montagnes. À perte de vue. Plus vert l'une que les autres. Oh. Et là ici j'ai rencontré Pablo, sa compagne et un ami. On a fait genre la route ensemble, on a fait genre 300 km ensemble hier. Donc c'est deux couples d'amis qui sont partis pour le week-end faire un petit road trip. Ils ont vu ma moto, ils m'ont fait hey, tu viens d'où, tu fais quoi? Ben, je dis écoute, je vais vers le sud, vers l'équateur. Il dit oh putain, mais viens avec nous. Et tu peux dormir chez moi, il n'y a pas de souci, on va pouvoir faire des trucs sur ta moto. Donc aujourd'hui, là, je la fais laver et puis après, on va réparer tous les trucs. Parce que là, j'ai déjà fait 1000 km, c'est les 1000 km de Paul. Il y a 2-3 petits trucs qui tremblent, donc on va aller faire réparer ça. Voilà, Paul est ready. Grâce à Pablo. Hola Pablo, comment está? Todo bien? Él me ayuda a hacer Paul listo. Todo listo. Paul. Y Natalia. De ese cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Hey! La piña. ¡Bam! Esa piña, pero estupenda. Parece bien. Sí, súper bien.
Je viens de partir, j'ai fait 5 km et il y a, la bâche de mon sac qui s'est pris dans... Là, je vais vous montrer. Voilà, en gros, le souk que c'est. Il y a toute la bâche qui s'est pris dans la chaîne de ma moto. Donc du coup, je dois régler ce problème. Et de deux, j'ai plus de bâche pour mon sac, donc il faut pas qu'il pleuve aujourd'hui. Youhou! J'avais encore jamais vu, c'est le comptoir de la viande. T'as le mercadito avec tous les légumes, les fruits comme d'hab. Bienvenue au marché. Et là ici c'est où tu fais la viande. Et waouh, c'est un peu trash quand même. Regarde ça. Voilà, voilà. Un petit chien tranquille. Dans le corridor de la viande. Pero buenas, si ¿cómo está? ¿Qué tienes aquí? Carne de res. ¿Carne de res? ¿Y la pata? Ah, cabeza. Qué bueno, todo fresco. Ajá. Qué bueno. ¿Y qué hace con la pata? ¿La come? Ajá. ¿Pero qué? ¿Como sopa? ¿Una sopa? Ah. ¿O guisada? Con yuco. ¿Rico o qué? Rico. Ah, demasiado. Rico. Yuco. Y panuchita de vaca. Panuchita de vaca. La panuchita de vaca. Panuchita. No, ah. Panuchita es acá abajo. Ah, es acá abajo. Acá no, no es. Cuando iba a manger de couilles de vache. Y bergaminol de burro. Bergaminol de burro. ¿Qué es eso? Bergaminol. Bergaminol es una cosa así más o menos. Ok, la verga. Es como este, el grande ah, allá, sí, ok. Sí. Je vais me faire manger de la bite de vache, le con. Voilà, j'ai parlé genre 10 minutes avec les gens, ils voulaient me faire bouffer de la bite de vache. Super. Ça pas les Colombiens. Mais voilà, c'est comme ça, c'est super cool. Tout le monde rigole avec tout le monde, tout le monde parle avec tout le monde.